Alors ici, c'est le rayon nouveautés. C'est là que nos adhérents trouvent toutes les nouveautés qu'on achète par tous les ans. Et autrement, on a cette partie en roman normal, classique, un peu historique. Enfin bon, voilà, ici, divers. Ici, nous avons l'espionnage. Et nous avons tout ce qui est livre policier. Les enquêtes policières, alors des faciles, accessibles à tous, et puis en allant vers des plus compliqués, plus, qui font un peu le frisson. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc, on achète environ 50 livres par an, et puis nous sommes arrivés à un total de 3600 livres. Pendant cette période Covid, parce que nos adhérents n'ont pas eu le temps de vraiment venir chercher leurs livres, on a été fermés, on a réouvert, c'était un petit peu compliqué, quoi. D'accord. Donc, mais là, on repart vraiment à zéro. Ans sur Saint-Paterne, disons, donc nouvel habitant. Je fréquente la bibliothèque de Saint-Paterne depuis environ 5 ans, depuis notre arrivée, disons, en 2017, qu'on est arrivé ici. Bon, je lis beaucoup de choses, que ce soit policier ou roman normal, disons, roman d'aventure et tout. Je lis de tout. Voilà. Je pense que par semaine, je dois bien lire 4 livres. La bibliothèque a ouvert en janvier 2010. On a environ 20 adhérents. C'est variable d'une année à l'autre. Il y en a qui peuvent arriver, les autres partir. Il n'est pas difficile de se faire inscrire. On vient et on donne les consignes. Voilà. Le tarif est de janvier à janvier. C'est 8 euros pour les habitants de Saint-Paterne ou le Chevin. Et c'est 10 euros pour les hors-communes. Alors, au moment des vœux du maire, on organise la dictée depuis de nombreuses années. Et ça marche assez bien. Les gens sont contents. C'est niveau certificat d'études et il y a un petit peu de maths à la fin. Enfin. La bibliothèque est ouverte le mercredi après-midi de 16h30 à 18h30. On ferme l'été juste un bon mois. Sinon, ça est ouvert tous les mercredis.